Eh bien bonjour ou bonsoir YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux, non pas pour un tuto de peinture, mais un truc et astuce pour trouver une couleur correspondante par rapport à une photo ou un tableau que vous aurez trouvé sur internet et le répercuter sur vos peintures. Moi j'avais dans l'idée de peindre mes Marines coloniaux façon US Navy, donc couleur bleutée. Donc j'ai pas encore peint les figurines, ou alors si elles sont peintes, vous verrez la petite bande à haut à droite de l'écran qui s'affiche pour vous renvoyer sur le tuto de peinture. Ben, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment élaborer un schéma de peinture à partir d'une photo trouvée sur internet. Alors tout d'abord, on va télécharger le logiciel Photofiltre, qui est un logiciel de retouche photo. Donc moi j'en suis à la version 7, hein. C'est un logiciel qui est entièrement gratuit. Alors il y a peut-être des versions ultérieures qui sont sortis en date de cette vidéo, donc je vais le télécharger, l'installer, hein, je vous explique pas la manip, vous devez savoir le faire. Ensuite, je vais rechercher donc dans les images Google bah, l'uniforme, la couleur d'uniforme que je recherche pour mes Marines coloniaux pour Alien versus Predator. Celle-là me paraît pas trop mal, donc je vais l'enregistrer dans mon dossier AVP. Un répertoire photo, je vais ensuite l'ouvrir avec Photofiltre. Donc je regarde un petit peu la couleur qu'il y a. Il y a du gris, il y a du bleu, il y a du noir. Je vais sélectionner la pipette et je vais pointer à un endroit de la couleur de base de ma figurine, donc de mon uniforme. Donc c'est une couleur à peu près bleu marine, hein. On peut en sélectionner différentes, hein, du gris, du bleu, pour trouver cette correspondance de couleurs. Donc voilà, c'est à peu près un bleu de ce type que je cherche. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur un site dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo où il y a toute la concordance des couleurs de toutes les marques de pots de peinture. Il me semble le Midnight Blue, bon, pas trop, je le connais, j'ai un pot de ça, donc je cherche la correspondance plutôt Army Painter. Et en Midnight Blue, on n'en a pas de ce type. Hein, on peut voir qu'il y a les différentes marques. Je vais sur la ligne du dessous, donc je vois à peu près la correspondance. Moi, c'est du Cantor Blue qui me semblerait se rapprocher le plus. Donc à vérifier après au niveau des pots de peinture, mais bon, c'est à peu près dans ce type-là. Je recherche toujours une bleue. Oui, bon, bah écoutez, moi je pense que le Cantor Blue fera l'affaire. Donc moi je vais sélectionner plutôt du Deep Blue de Army Painter. Donc bien sûr je vais aller sur le site de Hobby Shop, hein, mon partenaire, et je vais rechercher dans tous les pots de peinture qu'il y a la correspondance de cette couleur, voilà, qui est là, j'ai trouvé. Bah, il n'y aura plus qu'à la commander et puis le tour est joué. Donc comme je précise que je n'ai pas encore peint les figurines de mes Marines de l'espace, donc là vous pourrez voir sur la page d'accueil d'Hobby Shop bah, que de temps en temps ils mettent une petite vidéo de ma chaîne. Bah, c'est très gentil à eux en tant que partenaire. Ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera dans la recherche de vos couleurs de peinture. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir bien sûr, de l'AVP, Dungeon Saga, etc. Donc tout ça arrive bientôt. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao!